Bonsoir tout le monde, bienvenue du côté de Madrid pour vivre en direct la deuxième journée de ce Masters féminin dans cette magnifique salle ici à Casa del Campo et toujours avec Didier Jacquet. Bonsoir Didier. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous allez bien ? Je vais bien, vous-même ? Mais très bien, très très bien, heureux de vous retrouver pour bien le deuxième match de Justine aussi qui enchaîne. Hein. Elle, c'est la joueuse qui commence le plus fort au niveau de la quantité de minutes sur le terrain. Elle aura déjà joué deux matchs avant que Serena n'ait commencé son tournoi, par exemple. C'est aussi elle qui commence le plus tôt, oui, depuis le début de ses Masters. On sait que c'est une couche tôt. Ce Masters, ce ne sera pas le cas demain, parce que quoi qu'il arrive, le match est programmé à 20h. Donc elle aura un petit peu plus de temps pour récupérer, mais cela dit, ça fait quand même deux jours à 18h. Alors, vous avez été la joueuse qui a joué le plus souvent. Personne n'a joué plus, c'est énorme. Oui, j'ai essayé de recharger mes batteries et venir au moins un petit peu fraîche ici et être prêt à jouer. Voilà, je me suis un peu reposé, comme je suis un petit peu plus fraîche, c'est vrai que j'étais fatigué ces derniers temps, je suis prête à jouer. C'est vraiment difficile de commencer par ce match. Voilà, c'est important de commencer très très bien la partie, de jouer mon jeu. Généralement, c'est souvent un discours assez convenu avant le match, on ne peut pas s'attendre à autre chose. Juste. Voilà, les deux dernières fois, 7-6, 7-5. Last night pretty early and tonight again, and I woke up pretty early and had my practice in the afternoon at 3 o'clock and then had some pasta eat and get ready for the match. If there's one thing you'd like to see improve from last night's performance, what would that be? Est-ce que vous devez améliorer par rapport à hier? I have to be aggressive and just try to take my opportunities and probably more consistent. So I'm un petit peu plus agressif, un petit peu plus de consistance, un petit peu plus de d'attitude. Désolé pour la traduction de la première réponse. Je pense qu'elle disait aussi que c'était très difficile de jouer contre Yelena à chaque fois, qu'elle s'attendait à un match très difficile, mais nous on entend très 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 faiblement ici le son de l'interview. Voilà, désolé. Je pense que vous aurez compris et plus ou moins résumé la pensée de Justine et de Yelena qui vont rentrer dans un instant, dans quelques secondes sur le terrain. Vous l'avez dit, Didier, pas grand monde encore dans les gradins. C'est l'heure espagnole, tout se fait un petit peu plus tard pour les gens qui arriveront très certainement pour les deux matchs de la soirée. Yelena Jankovic est là. Et dans les gradins, parmi les quoi, il doit y avoir 500 spectateurs environ, bien, il y a quand même une centaine de Belges. On voit beaucoup de drapeaux noir, jaune, rouge. Je dis bien des drapeaux belges. Noir, jaune, rouge. C'est vrai que c'est assez sympa et je pense qu'il reste aussi des places pour les prochains jours. Et il faut vraiment, on peut peut-être vous dire que ça coûte pas trop cher ici, le montant des places et le billet d'avion, je pense que c'est tout à fait raisonnable aussi. Et donc, si vous avez envie de vous faire un petit mini-trip à Madrid et de voir un peu de tennis, eh ben, je pense qu'il y a quand même moyen de le faire à moindre coût. Ouais, surtout que parfois on paye cher et vil pour un match de foot du championnat de Belgique, que j'adore personnellement, mais c'est vrai que ici le prix est comparativement très raisonnable. Voilà Justine, la numéro 1 mondiale. Et rappelons que ce sont bien les 8 meilleures joueuses du monde qui sont rassemblées ici sur 6 jours de compétition intense. Justine, un petit match dans les jambes hier. On en a parlé aussi avec elle, elle le reconnaissait à l'interview. Bah oui, je fais mon autocritique, j'étais pas parfaite hier, loin de là. Carlos était encore un petit peu plus sévère qu'elle, comme d'hab. Mais l'essentiel est quand même d'avoir gagné, non seulement gagné, mais en plus gagné en 2-7. On en demande toujours plus, elle nous en donne souvent plus. Hier, ben, c'était pas trop son jour. Carlos soulignait quand même le manque de combativité, le manque de plaisir aussi que Justine a pris tout au long de la rencontre. Et que dès lors, eh bien, il faut peut-être essayer d'en avoir un petit peu plus aujourd'hui. Maintenant, Justine invoquait aussi l'acclimatation, aussi, le fait de jouer de nouveau un nouveau tournoi, de prendre ça match par match. Et aussi la surface un peu particulière, parce que même si c'est un green set, je ne sais pas si vous pouvez le constater, bien, c'est tous des petits carreaux qui perturbent quand même au niveau des trajectoires de balles. Et surtout, et ce n'est pas un élément non négligeable, on est à 800 mètres d'altitude et dès lors, Justine... Dans la cabine, à 800 mètres d'altitude. Et dès lors, Justine disait que les balles étaient quelque peu flottantes, qu'il fallait aussi un peu un temps d'adaptation. Mais comme vous l'avez dit, elle reconnaissait volontiers que c'était loin d'être un grand match, mais quelque part, c'est un côté rassurant. Elle joue contre Jacques qui quand même méritait son rang et méritait le fait d'être ici. Et lui met quand même deux petits sets. Hein. Un petit, un gros, on va dire. 6-1, 7-6, rappelons le score. Anna Chakvetadze qui partage avec Yelena Jankovic la deuxième place.
des joueuses ayant remporté le plus de tournois cette saison, loin devant Justine avec 9 tournois et puis 4 pour Shakvetadze, 4 pour Jankovic. Jankovic qui s'est imposé cette saison à Auckland, Charleston, Rome et Birmingham. Donc un tournoi sur dur, 2 sur terre battue américaine, terre battue européenne et 1 sur gazon. Preuve qu'elle est bonne partout. Elle aussi, Yelena Jankovic qui dans 20 des 27 tournois qu'elle a disputés cette saison a au moins atteint les quarts de finale. Ah ben c'est sûr que c'est une adversaire de taille. C'est peut-être la première adversaire de taille dans ce Masters. Parce que ben, si on a dit que Justine n'était pas à un grand niveau hier, que dire de Shakvetadze qui est complètement passé à côté d'un set. Paralysé. Voilà, complètement paralysé. Maintenant ici, ben, c'est vraiment... C'est plus qu'un test, mais je dirais que la pression est un peu plus sur les épaules de Jankovic que sur les épaules de Justine, qui elle a déjà gagné une rencontre. Jankovic débute, elle, le tournoi aujourd'hui contre la numéro 1 mondiale. Si d'aventure elle devait perdre, en plus en 2-7, eh bien là, ça deviendrait plus compliqué pour elle. Vous avez vu aussi le classement de l'autre groupe où Maria Sharapova s'est imposée en 2-7, 6-4, 7-5 en 1h49 de jeu environ face à Daniela Antukova. Et Anna Ivanovic a dû batailler ferme pour battre la deuxième mondiale, Svetlana Kuznetsova. 6-1, 3-6, 7-5 en fin de soirée, début de nuit même, ici à Madrid. Vous voyez les résultats de Justine cette saison, tout bonnement exceptionnel. 59 victoires, 4 défaites seulement. C'est incroyable quand même, hein, il faut chaque fois le souligner. C'est surtout fantastique et... Quel respect tous les joueurs et tous les gens doivent avoir par rapport à cette fantastique championne, parce que même si elle a des moments de faiblesse, elle nous a quand même gratifié de grands moments depuis qu'elle joue au tennis. Mais c'est vrai que cette année est peut-être la meilleure année Justine. Madrid, nous voici. Vous l'avez dit, à 800 mètres d'altitude, les balles fusent. C'est, je pense, là où une des capitales européennes occidentales les plus élevées. Et donc les hommes aussi qui ont joué ici il y a 2-3 semaines lors du Master Series soulignaient que c'était quand même chaque fois particulier à négocier, à gérer. Ce paramètre-là, elle a 22 ans, elle est donc bien 3e mondiale. Je vous l'ai dit, elle a remporté 4 titres cette saison, mais elle a aussi disputé 4 finales. Ce qui fait 8 en tout, c'est pas mal du tout pour Yelena Jankovic. C'est la 2e place aussi derrière Justine qui a disputé 10 finales pour un bulletin de 90%. La seule défaite en finale pour Justine cette saison, c'était à Miami contre qui ? Eh bien oui, Serena Williams, qu'elle affrontera demain à 20h environ ici à Madrid. Mais que d'occasion Jankovic a eu sur cette année 2007 et même en 2006 de pouvoir remporter le match face à la numéro 1 mondiale. Eh bien, ça n'a jamais été le cas, mais elle est passée très souvent tout près. On fait un petit récapitulatif, Didier, comme vous en parlez. C'est donc 8-0 pour Justine. La première confrontation entre ces deux joueuses remonte à Charleston en 2005. Victoire très accrochée, très disputée plutôt. 3-7 pour Justine. Et puis un an et demi plus tard, à l'US Open, on l'avait vécu en direct, en demi-finale. Yelena Jankovic avait tout en main pour aller disputer sa première finale en Grand Chelem. Elle menait 6-4, 4-2, balle de 5-2 face à Justine, qui a finalement enchaîné 12 jeux d'affilée pour aller s'imposer 6-0 dans le troisième set. Et puis cette année, 6 affrontements à Doha, à Varsovie, à Berlin, à Roland-Garros, à Toronto et à Stuttgart. Eh bien Justine s'est donc chaque fois imposée, 3 fois en 3-7, les 3 premiers affrontements de l'année, 3 fois 6-4 au troisième d'ailleurs. Et puis, la victoire la plus facile de leurs 8 affrontements, c'était à Roland-Garros, sur sa surface de prédilection, dans son jardin, 6-2, 6-2, en faveur de Justine. Et puis, on en parlait juste avant la rencontre, Carlos en parlait hier dans l'interview. Les deux derniers matchs, c'était assez récent, à Toronto, juste avant l'US Open, à Stuttgart, il y a quelques semaines, 7-6, 7-5, chaque fois pour Justine. Donc quand ce ne sont pas 3-7 qu'elle dispute, ce sont des sets bien accrochés. Oui, c'est sûr. Elle a quand même une particularité par rapport aux autres joueuses. Je trouve qu'elle est très souriante sur le court. C'est peut-être celle qui sourit le plus. Elle est très nature. Et malheureusement, peut-être parfois dans les moments importants, elle a du mal à gérer ses émotions. On la voit crier, un peu grimaçante. Et parfois, elle a du mal à gérer l'événement. Donc ça s'apprend. C'est des choses qui peuvent évidemment
compliquer la tâche, mais qui, si elle parvient à les gérer, eh bien, la rendront très certainement beaucoup plus forte. Elle qui menait 4-0 aussi à Berlin, c'était son troisième set face à Justine avant de s'effondrer. Donc comme ça, vous l'avez dit, elle a eu des occasions par-ci par-là pour remporter au moins un match contre Justine. Bien voilà, la passe de 9 peut-être face à Yelena Jankovic dans quelques instants. Le match va démarrer. Elle a chaque fois mené, Benjamin, même parfois elle remportait la première manche, ou bien alors elle menait mais largement dans la seconde, ou elle remenait de nouveau dans la troisième, et n'a jamais vraiment parvenu à conclure. Oui, dans les 8 matchs, elle a par 4 occasions mené un 7-0, par exemple. Voilà, donc bien le constat est simple dans ce groupe jaune. Justine seule en tête, Anna Shkvetadze seule dernière. Et Yelena Jankovic démarre son tournoi aujourd'hui, Serena Williams, juste après cette rencontre face à Anna Shkvetadze, je l'ai dit en direct aussi. N'oubliez pas, le concours quotidien concernant Justine Henin a gagné une visite guidée de l'académie de Justine, avec auprès, entre autres un petit lunch, une séance photo, mais aussi une heure de cours avec, non pas Didier Jacquet, mais Carlos Rodriguez. Voilà. C'est à prendre ou à laisser. Alors voilà, vous pouvez jouer au SMS 3305 3305, envoyez Justine, on vous renvoie alors la question et vous répondez, et si vous répondez bien, vous serez peut-être un des 6 gagnants de la semaine, un par jour, ça vous coûtera en tout 2 euros pour faire des euros. Petit coup du sort. 0-30. Déjà une première occasion. Quinte, 15. Et voilà les premières balles de break, 15-40. Justine le disait juste avant de rentrer sur le terrain, être plus agressive qu'hier, on la sent. Hein. En tout cas, cette volonté déjà d'être plus dynamique. Et on a croisé Carlos Rodriguez aussi, il y a une petite demi-heure. Attitude, c'était son maître mot, le maître mot de beaucoup, hein, de beaucoup de profs, d'entraîneurs, de coachs dans le tennis. Et bien voilà le premier break, le premier jeu remporté par Justine 1-0. On peut difficilement commencer mieux une rencontre. Cela dit, je trouve que Jankovic a déjà une belle longueur de balle pour ce début de partie. Justine qui a joué un tout petit peu court et qui a pu quand même bénéficier des fautes de son adversaire. Rester concentré, vous l'avez dit, on l'a vu très concentré avant le début de la partie. Voilà l'argent de poche promis aux joueuses. Un petit million de dollars pour la gagnante dimanche. La moitié pour la malheureuse finaliste. Et bien voilà, quand on parle de la volonté d'avancer, premier service, premier enchaînement, service, volé. Parfait. Oui, c'est souvent bon aussi au niveau de la première balle de service, parce qu'à partir du moment où on a l'intention d'aller vers l'avant, et bien déjà tout le corps traverse la balle pour venir le plus près possible du filet, c'est ce qui s'est passé. Et la balle était bien bonne. Celle-là, elle est restée collée, scotchée dans les cordes de Justine, 15 partout. Thank you.
Ah, le contre a failli passer quand même. Un bon point des deux joueuses d'ailleurs. Ouais, c'est très bien parce que d'une zone offensive, Justine s'est retrouvée en défense et puis en contre-attaque. C'est un gros point, c'est peut-être le gros point de la partie depuis maintenant quelques minutes. 35. Elle lâche un peu vite quand même pour l'instant dans les échanges. Yelena Jankovic. La balle a touché le filet. Sinon, ce service était parfait. C'est bien dans le couloir. Elle est juste à côté. Maintenant, ce qui doit quand même la rassurer en ce début de partie, c'est que ça fait quand même 5 premières balles de service sur 5. C'est du 100%. Donc, quand même l'aider, lui permettre de remporter sa mise en jeu un peu plus simplement. Vous disiez, mon cher Didier, c'est comme ça à chaque fois, hein, vous le savez. Oui. 2-0 pour Justine, forcément beaucoup plus vigilante qu'hier à la même heure. Et ça se sent, ça se voit dès ses premiers échanges, ses premiers coups de raquette à l'avantage de la numéro 1 mondiale. 2-0 et l'attitude est là. Elle quadrille bien le terrain. Jankovic qui cherche très souvent le côté coup droit de Justine, même en défense, même si tactiquement c'est pas toujours une bonne solution. Elle sait que c'est peut-être par là qu'elle va remporter des points. À l'inverse de Shakvetadze hier, qui cherchait systématiquement le côté revers. Apparemment, elle n'a pas tout compris. Shakvetadze. Voilà. Une grosse faute et ce n'est pas la première en largeur du côté de Jankovic. Oui, qui a besoin apparemment aussi d'évacuer une certaine tension nerveuse. C'est normal, c'est son premier match dans un Masters. Ok, ouais, il est beau celui-là, vous parliez du revers, et voilà, premiers applaudissements du public, certes, mais de Yelena Jankovic aussi, championne de la sportivité, du fair play sur un court. On va revoir ça. Le petit slice pour faire avancer Jankovic, et derrière. Et regardez, bravo Justine, on va peut-être le voir mieux ici, ce geste fair play, bien non, ça a échappé au réalisateur, tant pis. Okay, 35, et je regarde là Carlos sur ce genre de faute, et eh bien il applaudit, il dit c'est ça, c'est l'intention qui est là, c'est bon. C'est toujours bon de faire entre guillemets des fautes offensives, en tout cas c'est par là que ça passe, rester bien agressive, essayer de prendre la balle très tôt pour déranger Jankovic. Plus de vitesse un peu. Elle revient à 30 partout, Jankovic. Ah, c'est une bagarreuse. Elle ne va pas comme ça laisser aussi facilement Justine s'échapper dans cette première manche. Et voilà, Carlos. Et ça, ce n'est pas le coach officiel de Yelena Jankovic, mais la personne qui l'accompagne sur ce Masters, Ricardo Sanchez. Un bon service qui lui permet de remporter son premier jeu
dans son premier Masters. Deux jeux à un, Justine Henin. Déjà un constat tactique par rapport à, au jeu de Jankovic, à la tactique mise en place par son coach, c'est tout simplement qu'elle sert pratiquement exclusivement en première balle côté coup droit. Et pour l'instant, bien, ça fonctionne assez bien, même si elle a perdu sa mise en jeu d'entrée. Elle a quand même obligé Justine à commettre 5 fautes en retour. C'est vrai que son jeu n'est pas encore tout à fait en place. On sent qu'elle se cherche, on sait qu'elle est capable d'évoluer à un niveau beaucoup plus élevé que celui-ci. Mais attention, les choses se mettent tout doucement en place. Une des joueuses qui défend le mieux aussi sur le circuit, avec Justine. Alors... tête là dans la serviette. On a parlé à la juge de chaise au, au changement de côté. Lynn Welsh. On la sent un peu plus nerveuse que d'habitude quand même là, au niveau de l'attitude, du visage aussi, moins décontracté, vous en parliez. Au service, Justine, vous le voyez, elle mène 2-1. Un des premiers points gagnants véritables de Yelena Jankovic, un petit peu aidé par la bande du filet. Je vous parlais de la longueur de balle. Voici encore un parfait exemple. Regardez, elle oblige Justine à reculer. Il a Justine qui se bloque complètement. 0-15. Encore le revers long de ligne qui paye. 0-30. Déjà peut-être une occasion de revenir, de recoller à deux partout, d'effacer ce break de retard pour Jankovic. Oui, c'est bien juste derrière la ligne. 3 balles de contre-break, 0-40. Il faut quand même faire attention de ne pas trop se précipiter. C'est pas foncer vers l'avant, c'est construire en essayant d'avancer petit à petit dans le court pour ainsi se procurer une balle beaucoup plus courte. Voilà une première enfin. Mais encore deux occasions pour Jankovic d'égaliser à deux partout. Oui, c'est parfait ça. Ça passe tout juste quand même. Et on parlait des qualités de défense de Yelena Jankovic. En voici l'illustration. Elles se connaissent et vous pouvez être sûr que les DVD ont été analysés parce que même si elle a des qualités de défense exceptionnelles, comme vous venez de le dire, elle l'anticipe quand même fort. Avant que Justine ne touche la balle, elle fait un pas côté coup droit.
La force de se rencontrer, ça aide. Pas besoin spécialement de DVD non plus quand on s'affronte une fois tous les deux mois, même pas. Tous les mois presque, en moyenne. Et bien voilà, elle est revenue, Justine, à égalité. Et la Justine des trois derniers points est forcément bien différente de la Justine des trois premiers. Et patatras. C'est un ace ou pas? Non. Let? Je pense que c'est pas let. Justine aussi n'avait pas été tout de suite consciente. On a senti dès l'impact là que ça allait s'échapper. Quatrième balle de break pour Jankovic qui reprend l'avantage. Dès que Jankovic a une option offensive, elle vient plein champ coup droit de Justine. C'est bien dans le couloir. Jeu finalement remporté par Jankovic. Le retour de Justine dans ce quatrième jeu n'aura finalement servi à rien. Ouais, c'est pas parce qu'il est perdu qu'il n'a servi à rien, mais c'est vrai qu'on l'avait déjà pressenti dans le jeu précédent. Jankovic trouve ses marques. Justine un petit peu trop précipité sur certaines frappes. On se rend compte aussi que même avec un pourcentage de première balle assez élevé, eh bien, elle a du mal à remporter sa mise en jeu. Et surtout, Jankovic retourne très bien aujourd'hui. Seulement un point gratuit sur le retour. Deux. Deux. Le retour était très très bon, mais elle a quand même cette faculté de contrer aussi, Jankovic. C'est aussi pour cela que c'est très difficile de jouer longue ligne, et quel que soit votre niveau, n'oubliez quand même jamais que c'est l'endroit où le filet est le plus haut. On m'avait jamais dit ça, c'est donc ça. Et encore hein, une option là, très très offensive, agressive, dès le retour. Ça ne paye pas, 15 partout. Grosse deuxième de Jankovic, 30 partout. Elles sont toutes les deux obligées quand même de prendre un risque sur la deuxième balle de service, quitte à de temps en temps faire une double faute, car elles savent très bien qu'elles vont se faire agresser dès la première frappe de balle, dès le retour de service. Non, c'est dehors.
était prise à contre-pied, Jankovic battu, mais c'est dans le couloir. 40-30, balle pour mener pour la première fois pour la Serbe. Jankovic qui est grande, même si c'est pas sa spécialité la volée, elle prend beaucoup de place. 40-30. Une fois de plus, c'est la longueur de balle là qui surprend complètement Jankovic. C'est un retour qui paraît simple, mais tout ce qui est simple est brillant. Et c'est le cas encore une fois. Ce fantastique revers à une main qui atterrit plein centre, en plein sur la joueuse, incapable de se dégager. Oh, quel grand point! On parlait des qualités de défense de Jankovic, voici celle de Justine Hénin. Malgré l'offensive de Yelena Jankovic, c'est Justine qui l'emporte et qui s'offre une balle de break à nouveau. C'est pas mal hein, ce qu'elle fait là-bas, loin derrière sa ligne, Justine. Surtout ici, qu'elle contre. Oui, c'est pas un très bon smash. C'est ce qui permet surtout à Justine de contrer. Et bien voilà, deux petits slices qui suffisent à faire craquer Yelena Jankovic qui perd à nouveau son service. Elle est donc toujours menée dans ce début de match. 3-2 pour Justine. Je le rappelle donc pour ceux qui n'étaient pas là en début de rencontre, le jeu concours SMS pour gagner une visite guidée dans l'académie de Justine Hénin avec au programme un petit lunch, une petite séance photo, une heure de cours aussi, surtout avec Carlos Rodriguez. Ce sera pour début 2008, mais comment y participer? Un petit SMS donc au 3305, vous envoyez Justine, on vous renvoie la question, vous répondez, j'imagine correctement, et puis vous attendez, vous serez peut-être le gagnant du jour, il y aura un gagnant par jour, 6 au total cette semaine, pour faire un petit groupe sympa pour donc janvier 2008, juste après les fêtes, se dépenser une heure avec Carlos pour perdre des petites calories prises pendant les fêtes, vous connaissez ça Lydie. Oui, et puis les questions sont pas très difficiles, donc tentez votre chance. Effectivement, et bonne chance tout simplement à vous. Retour sur la rencontre, Justine est devant, 3-2. Ça reste quand même de bon augure pour Justine qui, après la perte de son jeu de service, vient de remporter celui de Jankovic. Et surtout, j'ai vraiment l'impression que depuis le début de la partie, eh bien, c'est peut-être le meilleur jeu des deux joueuses. Et c'est toujours bon, de le prendre. Moralement et mentalement, de passer au-dessus dans ces cas-là. Et surtout de rester devant, comme elle l'a fait depuis le début de cette rencontre. 2-0, 2-2, 3-2. Et service à suivre pour Justine. Vous l'avez dit, elle sert plutôt pas mal au niveau du pourcentage, 64% pour elle, ce qui est bon, généralement, pour Justine. Mais voilà, reste à confirmer derrière, face à la bonne relanceuse qui est Yelena Jankovic. C'est dehors. Elle est bel et bien dehors. Ouais, t'es pas convaincu au départ que cette balle allait sortir, mais bien, elle est bien dans le couloir, 30-0. Et la précipitation change un peu de camp. Oh.
Ah, lorsque vous voulez jouer long de ligne et lorsque la balle part côté couloir, c'est très certainement parce que vous touchez la balle derrière vous. Et que vous soyez numéro 1 mondial ou débutant, la sentence est la même. Ouais, et ça, c'est forcément très applaudi par Carlos. Ce genre de points, ce genre d'enchaînement. On l'a vu pendant l'échauffement, lorsqu'elle a toujours un petit peu tendance à s'échauffer en cachette, là, dans les murs de tout, derrière les murs de tous les stades. En cachette, elle n'avait pas vu la caméra, là, ouais. Apparemment. Et alors, elle enchaînait des volées, volées basses, volées hautes. Et bien voilà, récompensée aussi par sa vigilance, sa concentration et sa motivation, son désir de bien faire tous les coups. T'es loin, celui-là. Ouh, grosse faute, c'est même à côté du couloir. Et on l'a vu hein, dans les statistiques, pour l'instant, chez les joueuses, plus de fautes, beaucoup plus de fautes que de points gagnants. Un seul petit point gagnant pour Yelena Yankovic, on en avait parlé, c'était ce revers long de ligne. Évidemment, il y a toutes ces erreurs provoquées qui ne sont jamais comptabilisées. Finalement, ces erreurs provoquées, ce sont de l'autre côté des demi-points gagnants. Et Justine s'en sort une nouvelle fois. 4-2. Elle reprend le large. Yankovic est en délicatesse depuis le début de la rencontre avec son coup droit long de ligne. On a tendance à se reculer vraiment beaucoup par rapport à la balle. Signe d'une petite appréhension, certainement. On la voit un petit peu députée, je ne sais pas encore de son pays. Et Justine qui continue, hein, c'est rituel dont vous parliez. Elle le faisait avant le match, elle continue entre chaque jeu, entre chaque point même parfois, d'aligner les coups droits dans le vent. Oh, il est parfait ce point, cet enchaînement encore avec cette petite volée du poignet là. Mais c'est des intentions de départ qu'il dynamique au niveau des jambes pour amener la performance du coup. C'est dommage qu'on ait focalisé là sur Yankovic. Vraiment un désir d'aller vers l'avant de la part de Justine. Justine qui passe clairement devant son adversaire et c'est vraiment net au niveau du score aussi pour la première fois. 4-2, 0-30, il faut confirmer maintenant dans les chiffres, aller chercher ce septième jeu. Attention pour Yankovic de ne pas jouer trop neutre, directement la punition derrière. Oui, on la sent vraiment un petit peu crispée en tout cas. Elle cherche déjà des solutions face à Justine qui s'offre la 3 balles de 5-2, 3 balles de double break. Légèrement désabusée, n'oubliez quand même pas qu'à 2 partout, elle a mené 0-40 sur le service de Justine, ou 15-40 je pense sur le service de Justine. Elle a eu en tout cas des balles de break, voilà, qu'elle n'a pas pu concrétiser. Voilà, une balle de break écartée, 15-40. Elle a eu une balle de 3-2 sur son propre service, Didier, pour répondre à votre question. Oh
Oui, c'est encore une fois dans le couloir. C'est d'ailleurs la 6e ou 7e fois qu'elle trouve le couloir comme sa longue ligne. Yelena Jankovic qui est menée largement, malmenée, surtout 5-2 par Justine. Après une petite demi-heure, ça va beaucoup plus vite que d'habitude entre ces jeunes deux jeunes dames, j'y arriverai, mais ce n'est pas fini, loin de là. Hyundai, partenaire officiel du tennis. On est déjà de retour du côté de Madrid et on voit Justine se rafraîchir, se nourrir, s'alimenter aussi au changement de côté. Et justement, quand on a croisé Carlos dans les couloirs de cette salle madrilène, eh bien, il était en train de préparer cette célèbre mixture brunâtre de Justine que seule elle hein, a le droit de consommer. En tout cas, moi, je ne m'y oserai pas, je ne m'y tenterai pas parce que ça a quoi, un petit goût de chocolat, mais avec un petit peu de lait au riz, mais tout est bio. Oui, voilà, tout est bio. Et puis, il fait beaucoup de choses, Carlos, parce que c'est aussi lui qui met les surgrippes sur la raquette de Justine. Ils sont là, hein, je vous interromps, car on voit vraiment les supporters belges présents largement dans ce stade. Continue. Pas vexé quand même. Non, pas du tout. J'ai juste terminé. Ah, c'est vrai. Mais Carlos, qui était lui aussi hein, très volontaire dans sa préparation, on le voit vraiment s'activer. Pour toutes les choses dont vous venez de parler. En tout cas pour l'instant, eh bien, ça se voit vraiment sur le court. Justine complètement transcendée par rapport à hier, qui fait pour le moment un très 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 bon set. Mais pour le remporter ce set, il lui manque un jeu. Pourquoi pas maintenant? Elle est au service, elle mène 5-2. Et on sent surtout aussi en face une Jankovic un petit peu plus amorphe que d'habitude, plus passive. C'est la première double de Justine contre 2 pour Jankovic pour l'instant, 0-15. Et un grand oui de la tête de Carlos, juste avant d'entamer ce deuxième point. Elle n'est pas en réussite avec ni son coup droit long de ligne, ni son revers long de ligne. Oui, ni par rapport à la bande du filet, parce que là, on aurait très très bien pu avoir l'effet inverse. Oui, ça c'est facile, tranquille, normalement, car tout était fait quasiment sur l'avant-dernier coup. Elle se rapproche du gain du 7, 35. Mais dans ces cas-là, même si bien la situation est désespérée, il faut pouvoir réduire les angles, donc avancer, ce que n'a absolument pas fait Jankovic. Mais qui recule. C'est comme un gardien de but, un joueur de tennis qui recule est un joueur de tennis battu. Deux balles de 7. Et pour l'instant, pas grand chose à faire, aucune solution trouvée par Yelena Jankovic qui voit les jeux défiler à vitesse grand V depuis quelques minutes maintenant.
Deuxième double faute dans ce jeu. Ce sont d'ailleurs les deux points pris par Jankovic. 40-30. Il suffit d'effacer tout ça avec une grande première pour clôturer la première manche. Et bien voilà, le filet pour Justine du début à la fin, du premier point au dernier point de ce premier set finalement remporté 6-2 déjà par Justine en à peine 35 minutes de jeu. Par an, PEV vous offre 15% sur votre assurance auto. Grande discussion entre Ricardo Sanchez, le coach, et Yelena Jankovic, la joueuse. C'est une vraie discussion. Et c'est marrant, hein, parce qu'on en parlait hier soir en rentrant à l'hôtel, des différentes attitudes dans ces... Dans ces conditions-là, des joueuses. On sent Jankovic quand même agacé, hein, parce que je ne dis pas qu'elle contredit les informations données par le coach, mais en tout cas, on la sent un peu perplexe. Pour le moment, elle ne trouve pas de solution. Aussi, elle ne trouve pas de solution parce qu'elle n'a pas de possibilité sur les deuxièmes balles de service et pas sur les premières balles de service avec un très gros pourcentage de la part de Justine. Je ne me souviens pas pour ma part l'avoir vu aussi haut dans un set, 67%, donc c'est assez remarquable. Elle a quand même pu breaker à une reprise, mais ça ne suffit pas. Son pourcentage de première balle à elle est un petit peu inférieur, 56%. Elle doit l'améliorer. Elle doit tout simplement s'améliorer dans tous les secteurs de jeu. Et en plus, il faut quand même dire qu'elle n'a pas trop la réussite avec elle. Et elle a déjà perdu le premier set 6-2, c'était la même chose à Roland-Garros. Le deuxième s'était clôturé d'ailleurs sur le même score. Il remonte dans les gradins, Ricardo, sinon rien. Et donc cela fait une petite discussion au passage. On remarquait hier par exemple que Maria Sharapova et Daniela Antukova ne discutaient pas forcément non plus avec leur coach. Hein. Oui, Antukova discutait, mais Sharapova en tout cas pas du tout. Tourner la tête. Tourner la tête. Sacré Maria. Ça marche, hein, cette petite discussion. 15-0. Voilà, toujours ces petits rituels. Essayer de dynamiser les jambes. Il en a visiblement besoin. Et Carla, pour l'instant, rien ne va. Et elle regarde son coach qui l'encourage. Des grands applaudissements. Mais ce sont quand même de grosses fautes. C'est des grosses fautes de placement, côté revers et aussi côté coup droit. Elle accélère, en plus Justine elle se libère, donc c'est toujours le même problème dans ce sport. Quand la confiance grandit d'un côté et faiblit de l'autre, ça va de plus en plus vite. Et c'est souvent lié. Et là en revanche, il n'y a plus grand chose à dire pour l'instant Ricardo Sanchez. On la sentait venir, cette double faute qui clôture ce premier jeu du deuxième set. À l'image de la fin du premier d'ailleurs, le premier break réalisé par Justine qui enchaîne un 5.
5e jeu d'affilée. En tout cas, pour l'instant, eh bien, l'intervention du coach n'a pas du tout le résultat escompté, avec des statistiques au niveau de la première balle de service qui ne sont pas du tout en rapport avec les statistiques que nous avons non. là sur l'écran, donc je préfère pas trop les commenter. Oui, nous, on nous indique 67% pour Justine. Ce qui me paraît plus correct. Oui, moi aussi. Attention Jankovic, parce que là, elle a un petit moment de doute. Il faudrait pas que ça perdure pour elle. Et le problème aussi quand on est dans une spirale comme ça, c'est que chaque fois qu'on tente quelque chose, eh bien, c'est loupé. Elle prend peut-être un petit peu trop de risques aussi en ce moment. Première amortie, et c'est le point derrière. Parce qu'on parle de la qualité de jeu de Jankovic, et c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à moins parler de la qualité de jeu de Justine, tant elle est ici irréprochable. Elle ne rate quasiment plus rien depuis 5 jeux maintenant. Obligé de reculer, 35. Magnifique plan aérien. Petite passerelle au-dessus du court qui permet cela. Décentre un peu, 30 partout. Un petit peu trop gourmande aussi. Et voilà, mine de rien, elle recolle à 30 à Jankovic. On le disait, c'est une bagarreuse. Pas question pour elle quand même de baisser les bras si facilement, si rapidement. Et puis la confiance peut aussi changer de camp. À partir du moment où il y a 2-3 fautes, c'est sûr que lorsque Justine est à 100%, eh bien elle est irrésistible. Mais elle peut elle aussi commettre quelques fautes ça et là. Oui, elle a pris tout son temps, quelques secondes supplémentaires qui lui ont fait le plus grand bien avec une grosse première claquée, 40-30, balle de 2-0, balle de 6-0, à cheval sur 2-7. Pour une fois, il passe ce revers gagnant. C'est le deuxième point gagnant d'Jankovic. C'est le deuxième revers gagnant aussi. Il était splendide. Elle a besoin de ses points, elle aussi, comme cela, où elle peut mettre l'adversaire à 3 mètres de la balle. D'ailleurs, après la frappe, je ne sais pas si on va le voir. Malheureusement, non, mais elle lève la tête au ciel en disant, mais enfin, ça arrive. Mais voilà, il suffisait de demander Didier. Oui, mais derrière, enchaînement en deux temps, parfait encore. Et c'est pas des balles si simples à jouer, elles sont sans vitesse, elles rebondissent, et il faut pouvoir mettre de l'intensité dedans, ce qu'a fait à merveille Justine. Des balles cotonneuses, comme dirait notre copain Julien, que l'on salue s'il est devant son petit écran.
Le premier challenge, ouais. L'envie de le demander en tout cas à Justine. Quel respect de la part des deux joueuses, parce que là, eh bien, apparemment, Jankovic lui monte la trace. Il y a quelques petites marques sur ce green set qui permettent quand même de visualiser la chose. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Eh bien que Jankovic est honnête. Et que c'est bien, ce respect mutuel, vous l'avez dit, pas toujours besoin de la vidéo et de la technique. Super ça, elle a dit Justine, un petit peu d'autodérision sans doute, car c'est allé droit sur les photographes justement, sur cette petite passerelle tout en hauteur, au plafond. Elle touche le plafond, donc le point est perdu, mais si d'aventure cette balle avait touché la chaise d'arbitre et était revenue dans le court, la chaise fait partie intégrante du terrain. Et petit moment de déconcentration peut-être derrière cela. Et voilà comme ça peut tout doucement tourner. En tout cas, balle de contre-break, balle pour égaliser un partout. Eh bien non. Elle sait qu'elle n'en aura pas des dizaines des occasions comme celle-là, Yelena Jankovic. Surtout que l'échange, pour une fois, avait eu le temps de s'installer. Jankovic qui est très forte lorsqu'elle peut rentrer dans le terrain. À l'inverse, quand elle décide de frapper très fort de 2 mètres derrière sa ligne de fond, et bien là, elle est beaucoup moins performante. Nouvelle balle de break. Et bien voilà ce sourire qui avait disparu du visage de Yelena Jankovic depuis les premiers points, depuis l'entrée sur le terrain dans le couloir. Là on la voyait très très détendue et puis plus rien derrière. La prise de vitesse sur ce gros revers de Justine. Et elle prend quand même chaque fois le temps de là s'excuser auprès du photographe qui a pris la balle dans la tête. Justine qui, à l'inverse d'hier, ne se contente pas de remettre la balle dans le court en espérant la faute de son adversaire. C'est elle qui provoque la faute, c'est elle la patronne du court. La patronne du circuit même. Eh bien non, elle était pourtant fléchie au maximum, le genou à terre, mais ça ne passe pas quand ça ne veut pas, ce revers, ce satané revers pour Jankovic. Échange très difficile pour toutes les deux joueuses physiquement. Et toute la détresse de Jankovic qui sent que ce jeu peut peut-être la relancer, mais là elle doit écarter une balle de 2-0. Troisième double faute.
quatrième même. Et nouvelle égalité dans le plus long jeu du match pour l'instant. Et surtout, surtout important pour Jelena Jankovic. Hésitation du juge de ligne, c'est bien dehors, confirmé par Lynn Welsh. Et donc, nouvel avantage Justine. Pardon, Jankovic, nouvelle balle de break, balle de contre-break même. On va revoir sous cet angle. C'est bien dehors. Je pensais pourtant que Justine avait demandé le challenge. Ça n'est visiblement pas le cas, elle était bel et bien dehors, voilà. Oh, quel gros point! Le plus beau de la partie, à nouveau applaudi par Jankovic et par tout le monde forcément. Qu'il était grand celui-là. Quelle intensité dans cet échange, une nouvelle fois, les deux filles qui se livrent totalement, qui frappent très fort dans la balle. Il fallait encore le trouver, cet angle-là. Et surtout qu'on se rend compte que ce n'est pas facile de déborder Jankovic, et là elle est à 3 mètres de la balle, en un coup de raquette. Égalité. Et une bonne première derrière, slicée. Variation aussi des effets. Je préfère cela, moi, personnellement, parce que je trouve qu'en première balle de service, même quand elle frappe à plat et que cette balle rentre dans le carré, elle n'est pas suffisamment performante. Elle est beaucoup, beaucoup plus présente, Jankovic en face. Il faut travailler un petit peu plus pour aller chercher les points, les jeux en ce moment. C'est aussi un combat entre Sanchez et Rodriguez dans les gradins. C'est vrai qu'il fait des dégâts, ce service-là, ici dans le coup droit de Jankovic. Eh bien non, ce ne sera pas pour tout de suite encore la fin de ce jeu. C'est un interminable jeu. Oui, quel contre encore, quelle longueur trouvée par Justine sur cette attaque de Jankovic long de ligne. Je ne peux rien faire, semble-t-elle dire là sur ce coup, Jankovic.
puis surtout elle se dit mais tactiquement c'est quand même pas mal joué, je joue plein champ coup droit de Justine et là, eh bien Justine est vraiment performante aujourd'hui avec peu de déchets, quelques déchets ça et là en retour en début de partie, mais tout ce qui est balle courte et balle longue, neutre, eh bien c'est pratiquement du 100% depuis le début de la partie. Légèrement décentré ce revers et l'attaque derrière Jankovic pour revenir encore et toujours dans ce deuxième jeu du deuxième set. Public très féminin. C'est le premier coup droit gagnant d'ailleurs de Jankovic, bien aidé on l'a dit hein, par le revers boisé de Justine. Elle est battue encore sur ce coup droit croisé. Et elle parvient aussi un peu à la manière de Kim Claesters à glisser Jankovic sur cette surface. Et on lit sur les lèvres des supporters belges. Allez Justine, tout simplement. C'est vrai que c'est le moment hein, maintenant de conclure. Alors là, je pense que Jankovic bouge pas, donc je crois qu'elle pense aussi que cette balle est bel et bien dedans, donc Justine va demander un challenge. Mais non, vous savez quoi, je pense que il y a eu une autocorrection du juge de ligne, et donc le jeu est accordé, tout simplement. Et il n'y a pas de réclamation à avoir, car cette balle avait bien touché la ligne. À nouveau, on s'est fait confiance là entre les deux joueuses et ce jeu se termine un petit peu de manière bizarre, mais il a été très très long et ô combien crucial sans doute pour la suite de la rencontre. Surtout, il va être très très difficile à digérer pour Yelena Jankovic. Oui, un nouveau coup de massue. On ne peut pas dire qu'elle ait mal joué ce jeu, mais Justine est tout simplement un tout petit peu, pas beaucoup, mais un tout petit peu au-dessus. Et après bientôt une heure de jeu, elle fait la différence en début de deuxième manche. 6-2, 2-0, sixième jeu d'affilée remporté par Justine. Ouais, c'est parfait. Ce passing en deux temps. Voilà une montée. Eh oui, elle a bien pris tout son temps pour fixer son adversaire, mais que ce lob était subtil. Il avait complètement surpris Jankovic, elle ne s'y attendait, mais alors vraiment pas. Ce qu'il y a d'énorme, c'est que par moment, il y a une maîtrise totale de tous les coups du tennis. Ce lob est très difficile à effectuer, remarquablement bien dosé. Et là, elle a encore la lucidité que pour attendre de voir le côté que Jankovic va choisir. 15 partout. Voilà, tout y passe en ce moment. Démonstration de tennis de la numéro 1 mondiale et démonstration de football un petit peu dépité pour Yelena Jankovic menée là encore sur son jeu de service. 15-30. Fantastique dernière volée qui oblige Jankovic à changer de direction. Balle un petit peu plus courte. Une stat que Carlos va entourer. 9 points sur 11 remportés quand elle s'aventure au filet. Love.
Elle le sent, hein, qu'elle est à l'aise, qu'elle est en confiance dans ce secteur, Justine, qui va planter peut-être les dernières banderies dans cette partie. 15-40. On était au pays de la corrida. Quelle volée une nouvelle fois avec les deux pieds qui ne touchent absolument pas le sol. Et voilà, un dernier retour gagnant dans ce jeu. Convaincant, de plus en plus convaincante d'ailleurs, Justine Hénin. 6-2, 3-0. Tout est presque dit, mais pas encore. Vous êtes tout autant love, work et play? Avec MyComfort, pour 5 euros par mois, vous pouvez appeler et envoyer des SMS. Maintenant, vous ne payez que la première minute de vos appels. Rendez-vous vite dans votre Mobistar Center. Love, work, play. Mobistar. Voici pourquoi ils font leurs courses chez Colruyt. Les prix? Pour les prix, tout ce qui est marque, je viens ici. Pour la différence de prix, spécialement. Et puis, je trouve que, disons, le personnel est très aimable, très gentil, très serviable. Qualité, variété, on y trouve de tout, quoi, voilà. Et alors, en plus, la boucherie, qui est quand même pas mal du tout. On y trouve quand même de la très bonne viande. On sait d'office que Colruyt s'est aligné sur le prix le plus bas. Donc, ça évite beaucoup de perte de temps et d'énergie. Colruyt, la garantie des meilleurs prix. En direct de Madrid, on ne peut pas le louper celui-là, sur le toit du monde, où se trouve au perché cette jeune demoiselle, la Justine Hénin. 6-2, 3-0, c'est le tarif provisoire proposé à Yelena Yankovic, qui doit au plus vite trouver une solution pour renverser une tendance quasiment désespérée pour elle. Regardez comme Justine est dans le terrain pour retourner les deuxièmes balles de Yankovic, les petits points noirs. Et elle est déjà bien devant aussi, dès la première balle. C'était donc cette volonté affichée, dès le discours tactique de Carlos, d'être agressive, d'être offensive. Et l'illustration est en bas de votre écran. 6-2, 3-0 au service Justine Hénin. Voilà un troisième point remporté par Yankovic quand Justine est au filet. Une première balle servie à plat avec un retour gênant. C'est bien joué de la part de Yankovic aussi. Elle va peut-être aussi se libérer complètement. Quand le score est quasiment désespéré. Et voilà, malgré encore les bons coups de défense de Yankovic, ça ne suffit pas. Frapper fort, se mettre pour frapper fort. Même si d'aventure, eh bien, la balle revient alors qu'elle n'aurait peut-être pas dû revenir, rester vigilante jusqu'au bout. 15-30. Elle s'effondre complètement. En revanche, elle se retourne vers son clan où vient d'arriver sa maman d'ailleurs, qui s'est rapprochée d'elle, juste au bord du court, juste derrière cet homme-ci, Ricardo Sanchez, le coach provisoire. Et maman, là, on voit les genoux dans le pantalon gris. Elle a peut-être besoin là d'être rassurée aussi, Yankovic. Grosse première balle de service. Yankovic qui a eu une petite opportunité et qui, eh bien malheureusement pour elle, a quand même fait une grosse faute là côté revers sur le retour de service.
Elle menait 0-30, malheureusement pour elle, c'est rapidement devenu 40-30, balle de 4-0. Elle revient à égalité. Ah, Justine qui a pour l'instant plus facile de remporter la mise en jeu de Jankovic que la sienne. Le principal pour l'instant est qu'elle ait remporté tous les jeux. Oh que c'est beau! Ce petit court croisé. Il n'avait pas encore fait celui-là. Je ne sais pas si on va pouvoir le revoir. Regardez la marge de sécurité qu'elle prend par rapport au filet. Vous allez bien le voir. On va bien passer en dessous de la balle. Voilà. Grosse marge de sécurité. Elle passe à 60-70 cm. Et encore une reprise de volée. Dévissée, elle aussi, de Jankovic. Deuxième balle de 4-0. Voilà. Mais pas tout de suite. C'est une cinquième double faute déjà pour Justine aujourd'hui. Ça ne passe pas. Elle tente, elle joue ses dernières cartes. Et Jankovic, une nouvelle balle de break. Dans ce set. C'est dehors. Eh bien voilà, ça relance quelque peu Yelena Jankovic qui est face à un des deux breaks de retard dans ce deuxième set. 1-3. Elle rigole, hein, regardez avec le spectateur juste derrière en se disant bon ben voilà, j'en ai pris un. Mais que le chemin est long avant de revenir. C'est et aussi... de pourquoi pas encore espérer dans ce match. Oui, c'est aussi une manière de se décontracter. On a vu le coach aussi nettement plus souriant. Enfin, c'est fait. Peut-être que ça va la libérer totalement. Voilà. Regardez dans cet échange. Elle joue pas spécialement mal au tennis. C'est le moins qu'on puisse dire. Et depuis maintenant un peu plus d'une heure, eh bien, c'est le spectacle que les deux joueuses nous proposent. Mais tout simplement, eh bien... elle ne remporte pas les bons points. Justine est au-dessus dans beaucoup de secteurs de jeu. 30-0, attention quand même. Elle sert bien là, intelligemment. Petit slice encore. 40-0, trois occasions de revenir à 3-2. Grosse double faute, la quatrième pour elle.
Pas beaucoup trop vite entre la première et la seconde balle. Le service, elle prend pas du tout son temps. Oh là là, elle avait pourtant toute la place devant elle. Mais elle n'est pas en confiance avec ce coup droit long de ligne. Ça fait quelques minutes que vous l'avez dit, Didier. Ça se confirme encore et toujours. Elle passe devant aussi au niveau des fautes directes, mais elle est loin derrière au niveau des points gagnants. Elle a intérêt quand même à remporter ce jeu. Elle menait 40-0. Justine ne va pas le lui laisser. Elle revient à égalité, troisième point d'affilée. Énormément d'intensité dans toutes les frappes de Justine aujourd'hui. C'est vrai que ce point-là, il est bon de la part de Justine. Mais les deux précédents, ce sont deux points donnés par Jankovic qui n'a pas donné l'impression d'y croire vraiment. Si elle n'y croit pas, nous, on ne peut pas y croire à sa place, Didier. Elle n'a vraiment pas de chance avec le filet, même si Justine là se montre une nouvelle fois très adroite. 23. Et c'est une nouvelle balle de break. C'est sûr qu'elle n'a pas de chance avec la bande du filet, mais quelle défense de Justine, encore une fois côté revers, qui prend l'initiative dès qu'on lui en donne la possibilité. Eh bien voilà, un point un petit peu spécial. Ça a failli encore tourner à l'avantage de Justine avec ce retour une nouvelle fois, chanceux. Elle écarte cette balle de break, de double break même. Et le contre-pied parfait pour aller chercher encore une balle de break dans ce jeu. Fantastique cela. Il y avait de l'intensité dans toutes les frappes de Justine là. Venir chercher la balle, on va le revoir, une balle un tout petit peu plus haute. On avance, on s'oriente et bam, on frappe dans le placement. Et bien voilà, double break et Justine qui reprend le large dans ce deuxième set, 6-2, 4-1. Et vous, sur quel terrain brillez-vous? Randstad, sponsor de Justine Hénin. Gros plan sur la patronne du terrain, Justine Hénin, qui mène 6-2, 4-1 en un petit peu plus d'une heure 10 de jeu. Rappelez-vous le concours une dernière fois dans cette partie, concours quotidien. SMS 3305, ça c'est le numéro 3305, pour gagner une visite guidée de l'académie de Justine Hénin, rien que ça, avec le lunch et la séance photo, tout ça compris dans le prix. Et surtout une heure de cours de tennis, évidemment, avec Carlos Rodriguez. C'est programmé début 2008. Vous envoyez un SMS Justine au 3305. On vous envoie la réponse. Non, on vous envoie la question. Vous renvoyez la réponse, évidemment. Et vous gagnez, peut-être, cette visite guidée. La réponse, Lilia Jankovic ne l'a pas. En tout cas, aux nombreuses questions qu'elle se pose en ce moment sur le terrain.
face à Justine Hénin. Petite précision, Carlos Cor donnera la leçon, donc il y a quand même de fortes chances que ce ne soit pas lui qui la donne, mais enfin il sera présent sur le site afin de vous prodiguer ses conseils. Voilà. Justine au service, et on l'a dit déjà, elle remporte plus difficilement son service que les engagements de Jelena Jankovic dans ce deuxième set. Elle a d'ailleurs été breakée une fois dans cette deuxième manche, mais elle est largement devant, 6-2-4. Posé, s'excuse d'ailleurs Jankovic, un peu décentré d'ailleurs peut-être cette volée, qui a surpris Justine, 0-15. Vous voyez, dès que cette balle remonte, eh bien les deux joueuses essayent d'en profiter au maximum. Et bien voilà, c'est parfait. Elle ne l'a pas utilisé beaucoup aujourd'hui l'amorti, mais deux fois. Et deux points. Oui, une nouvelle fois, son service slicé eh bien, lui offre des opportunités. Il anticipe bien derrière, en avançant vers le filet, en réduisant les angles, pour revenir, recoller, 30 partout. Elle lâche les gaz quand même, Justine, parce qu'elle était très très compliquée, cette volée de revers au milieu de l'échange. C'est un smash de revers, c'est peut-être le coup le plus difficile au tennis, tout simplement parce que la balle, eh bien, vous devez la toucher au-dessus de l'épaule et qu'en plus elle est souvent derrière vous. 40-30, bah, 5-1. Et bien voilà qui est fait une nouvelle fois. Jankovic loin derrière, baladé par Justine. Un jeu de la victoire. J'allais dire de la qualification, mais ce ne sera pas encore acquis mathématiquement. Il faut quand même bien se rendre compte que Jankovic est en train de faire un très bon match de tennis et que c'est 6-2-5-1. Je pense que, en tout cas, elle ne démérite pas du tout. Elle passe pas du tout à côté de jeu. Elle ne balance pas en tout cas. Non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et on balance la tête. En revanche, du côté du clan de Justine. Avec le cœur, va le chercher, c'est maintenant, alors qu'on est largement devant, hein. 6-2, 5-1, mais on va pas lâcher le morceau sitôt, alors qu'il est à portée de main, portée de raquette. Regardez ses stats derrière le service, elle ne remporte que 35% des points sur son propre engagement, que ce soit en première ou en deuxième, même tarif. Et bien voilà, le tarif il est là, un coup droit, parfait, retour, longue ligne,
que cela paraît simple quand ça sort de la raquette de la numéro 1 mondiale. 0-15. Un peu gourmande. À droite, Larry Scott, le président tout simplement de la WTA. Il est assez dépité. On la voit raquette qui tombe en dessous de la main, tantôt en dessous, tantôt au-dessus. Agacé. 30 partout, Justine donc à 2 points de cette deuxième victoire dans le tournoi. Mmh. 40-30, pas de balle de match, pas encore. 40-30. Égalité. On se retrouve donc à nouveau à 2 points du match pour Justine. Et bien voilà, un jeu, un de plus, le quatrième remporté par Jankovic dans cette rencontre, 6-2, 5-2. Même pour rejoindre sa chaise, cela semble difficile aujourd'hui pour Yelena Jankovic, elle est menée 6-2, 5-2, on l'a dit, complètement dépité, cela se voit tout simplement. On en avait parlé lors de l'échauffement dans les 8 rencontres précédentes entre ces deux joueuses. Il y a eu 7 matchs très accrochés et une victoire facile seulement pour Justine. Score 6-2, 6-2. C'était à Roland-Garros cette année. Et bien pourquoi pas là, revivre un match quasiment identique. Oui, vraiment à moins qu'un... un gros passage à vide, mais je pense pas que ce soit possible. Il y a le match, il est bouclé là. Je veux dire que il y a quand même beaucoup plus de chances que Justine le remporte que Jankovic en vue du score. Mais c'est sûr qu'il faut continuer à rester offensive, ne pas attendre la faute de son adversaire et toujours aller de l'avant. Ça a très bien fonctionné là maintenant depuis plus d'une heure vingt. Il n'y a aucune raison d'en changer. Il reste un jeu donc. Mais elle ne sera pas encore qualifiée, je le disais, pas mathématiquement, même si elle l'emporte 6-2, 6-2 ici, en sachant que le seul cas de figure dans lequel elle pourrait être éliminée, c'est une égalité à 3 maintenant, si elle venait à s'imposer maintenant. Et donc on comptabilise les 7 et les jeux, en ayant mis un 6-1, un 6-2 et un 6-2, il y a quand même de fortes probabilités qu'elle se retrouve en demi-finale samedi. On n'en est pas encore là, elle n'a d'ailleurs pas encore remporté ce deuxième match. Reste à boucler le travail, elle est au service pour cela, 6-2, 5-2. C'est pas la première fois qu'elle parvient à monter dans le coup droit de Justine avec à la clé le gain du point. Mmh.
Oui, elle avance dans ce jeu, Jankovic. Elle veut rester sur le terrain, elle a raison. 0-30. C'est la troisième fois dans ce set qu'elle est à 0-30 sur le service de Justine. On a vu les photographes prêts à fixer l'instant qui se rapproche, mais attention quand même. Oui, ils sont quand même tous tournés du côté de Justine. Non, il y en a une là, une photographe qui zoome sur Jankovic. La famille peut-être. C'est dommage hein, pour Jankovic car là elle essaye, elle y va, mais voilà, quelques centimètres de trop encore et elle voit Justine rappliquer à 30A. Attention, Justine doit continuer aussi elle à y aller. Il y a eu des micro-opportunités dans ce match pour Jankovic et chaque fois elle est passée à côté. Et bien voilà, une balle de match offerte par Jankovic à Justine. 40-30. Elle ne comprend pas hein, évidemment ce qui se passe. Toujours difficile pour un coach évidemment parce que elle la regarde, elle a l'air de dire ben regarde, voilà, voilà ce qui se passe, c'est un peu de ta faute. Quelque part, c'est quand même la joueuse qui joue. Et l'adversaire qui joue aussi. Et qui est sans doute aussi la principale responsable aujourd'hui. Et eh bien voilà une dernière faute dans le couloir de Yelena Jankovic qui attention, c'est conclut. Pas terminé. Non, je crois qu'elle demande de challenge. Non, elle regarde d'abord son coach pour voir si elle doit le demander. Effectivement, voilà, on est parti. Hier, ça a sauvé provisoirement Antukova contre Sharapova, mais pas cette fois. La victoire, le point sur le cœur de Justine, on vient de le voir nous, mais pas vous sur l'écran. Justine qui s'impose, deuxième victoire en 2-7 dans ce Masters pour Justine. Bien plus convaincante qu'hier, celle-là, 6-2, 6-2, du travail bien fait. Attention, tout n'a pas été simple. Regardez, une heure et demie de jeu quand même pour un 6-2, 6-2, c'est assez long. Mais c'est surtout très bon pour Justine. On va l'écouter. On espère qu'on va l'entendre, nous, surtout. Justine, just an impeccable performance. But I want to ask you specifically about the second game of the second set. Pas dans notre cas. It seemed to take about almost as long as the first set. How do you stay tough throughout a game like that? It was really intense and it's important to play every point. Ouais, le quatrième jeu dans le deuxième set, c'est le jeu clé. Oui, il fallait vraiment rester concentré, c'était très intense. Voilà, j'ai pris le jeu et c'était important pour la suite de la rencontre. Le deuxième jeu, pardon, du deuxième. Fifth match coming up of the tournament next and you've already won two matches. Some people in your group, Serena hasn't vous savez que played là, yet. On va bientôt disputer le cinquième match du Masters, mais vous avez déjà dans les cinq matchs remporté deux matchs.
Oui, moi j'aime bien jouer à 18h parce qu'après j'ai une bonne soirée derrière, je peux me reposer, une bonne récupération. Voilà, à part le service où ça peut encore être meilleur. I was much better today than yesterday. Bien. I was in the good rhythm, and I've been much more aggressive. And I can keep coming to the net a little bit more and work on my serve. Je suis allé plus vers l'avant, plus vers le filet. Well done for your second win. Voilà, j'ai bien pu conclure. Et on sent aussi dans la réaction de Justine qu'elle s'est bien mieux amusée aujourd'hui qu'hier. En tout cas, elle signe là une belle victoire. Et rendez-vous demain pour le tennis. Avec elle, mais rendez-vous tout à l'heure, dans un petit peu plus de 20 minutes, pour la deuxième rencontre en direct Serena Williams face à Anna Kvetadze, une rencontre très intéressante dans le groupe de Justine. Justine que l'on retrouvera demain face à Serena Williams, ce sera une soirée spéciale mauvais blanc, avec le Sporting d'Anderlecht des 19h15 en direct, mais aussi mauvais blanc, comme le terrain ici à Madrid, qui s'offre à Justine, distribution de balles, distribution de sourires. Et puis nous, on se retrouve dans, je l'ai dit, donc 20 minutes pour Serena Williams face à Anna Chakvetadze. Bravo Justine. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure.